Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur le livre orange, le petit livre orange qui s'appelle Mon monde, sciences sociales. Si vous pouvez tourner s'il vous plaît à la page 39, la page 39, et c'est le chapitre 2, leçon numéro 4. Quels sont les travaux que les gens font? Quels sont les travaux que les gens font? What are the jobs that people do? Les gens, ils font beaucoup de travaux différents. On travaille peut-être à la maison, ou les gens travaillent à l'école, ou dans un bureau, ou dans la communauté. Ok? Donc, il y a vraiment beaucoup de différents travaux. Un exemple, c'est quand nous, on travaille à la maison et on lave les assiettes. Laver les assiettes. Et parfois, on le fait pour avoir de l'argent. Ou parfois, on le fait gratuit, for free. Ok? Si on fait un travail gratuit, c'est peut-être du volontariat, ok, c'est volontaire, voluntarily. Et si on est payé avec des billets, ok, des billets ou des pièces, donc ça, c'est un travail payé, ce n'est pas un volontaire. Enfin, ce n'est pas un volontariat parce qu'il y a de l'argent. Okay? Donc, on peut travailler à la maison, on peut travailler à l'école, enfin à la maison, on peut travailler à l'école, at school. Et regardez ce travail. C'est quoi? C'est la personne qui cuisine à l'école, oui. Elle travaille à la cantine. Elle nous fait quelque chose à manger. Elle nous fait de la nourriture. Et ça, c'est un travail. That's a job. Trabajo. Travail. Il y a aussi des personnes qui travaillent dans la communauté. Comme, par exemple, lui. Ok. Lui, il travaille dans notre communauté. Et lui, il nous donne des cartes que les autres jeunes, que les autres gens nous envoient. C'est la personne qui nous donne des cartes, ok, que les autres gens ou les compagnies nous envoient. Et son travail, c'est livreur de courrier. Livreur de courrier. Mail delivery man or mail delivery woman. Ok? Un livreur de courrier. Donc, regardez là comme il porte des cartes. Et ça, c'est un journal. Newspaper. Oui. Il fait le délivrage des cartes. Et du courrier. Oui. Quels autres travaux existent dans notre communauté? What other jobs exist in our community? Réfléchissez, ok, et en parlez avec votre parent. Avec vos parents, pardon. Parlez des autres exemples avec les parents. Au revoir.